Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui au cœur de Paris, avenue Foch, oui, l'une des plus belles du monde entier, mais ce n'est pas ce qui nous a attirés dans Paris. Nous venons rencontrer quelqu'un qui est riche d'histoire, et pas que l'histoire de France, celle d'Afrique, et surtout, particulièrement, du Cameroun. Il est avocat à la cour à Paris, bien sûr. Il fut bâtonnier de l'ordre. Je bafoue un peu tellement le personnage me fascine. Il est aussi ancien président du Conseil national des barreaux et surtout ancien avocat du tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Bonjour, maître Bournazel. Bonjour, cher monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très heureux de vous accueillir ici, dans ce bureau. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de me recevoir aussi rapidement. Je vous ai envoyé un email et tout de suite, vous me passez un coup de fil. Et vous savez, je suis très, très préoccupé par le sort de mes amis africains, et notamment camerounais, qui vivent des choses difficiles et des épreuves auxquelles il ne me semble pas que la France soit toujours assez attentive. Nous allons commencer par ce que je qualifierais de genèse. Genèse, pour moi, pas pour vous, car vous avez peut-être deux fois mon âge. Ma genèse, c'est le Cameroun, c'est l'ancien président Amadou Ahidjo, père son âme. Comment l'aviez-vous connu, Amadou Ahidjo? Écoutez, le président Amadou Ahidjo avait démissionné, comme vous le savez, de la présidence. Pour raison de santé, parce qu'il était en difficulté. Oui, mais vraiment, il n'avait pas été chassé du pouvoir par M. Paul Biya. Paul Biya était sa créature, sa création, on va dire. C'est lui qui l'avait initié aux responsabilités publiques. C'est lui qui en avait fait son premier ministre. Et qui, par conséquent, lui avait donné toutes les techniques pour essayer de bien gouverner un pays compliqué, puisque divisé en... Je ne parle pas simplement des ethnies locales, je parle aussi des trois zones d'influence coloniale, qui étaient la zone allemande, la zone anglaise et la zone française. Et donc il fallait faire l'unité, continuer à faire l'unité, à laquelle le président Ahidjo avait bien sûr donné tous ses efforts. Alors je l'ai connu parce que il m'avait été adressé, ou plutôt on m'avait adressé vers lui, la personne qui m'avait recommandé, c'était Roland Dumas. Ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qui, sachant que le président Ahidjo voulait quelques conseils et assistance juridique, m'avait recommandé. C'est comme ça que je suis entré en contact avec lui. C'est un jeune, ça. Écoutez, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on doit être dans les années 86, 85, 86, 87, je ne sais plus. Avant sa démission ou après? Ah, c'est après sa démission. Après sa démission. Après sa démission, oui, oui. Et à l'époque, si vous voulez, il est à Paris, il avait un appartement boulevard Maurice Barrès à Neuilly, qui était l'ancien appartement de André Mauroy, l'écrivain français. Bien, qui rejoint. Un très grand appartement magnifique. Et il avait également une maison secondaire à Mont-Sartou, pas très loin de Mougins, dans la Côte d'Azur. Voilà. Très, très agréable maison. Et il m'avait donc sollicité parce que il n'avait pas, lui, de problème avec son successeur, mais commençait à se présenter des difficultés, car Paul Biya s'était mis en opposition avec lui pour une raison qui était la suivante. Laissant le pouvoir à Paul Biya, le président Ahidjo était resté président du parti. L'UNC, l'Union Nationale. Voilà, le grand parti camerounais qu'il avait fondé. Et à ce moment-là, dans la période qui fait qu'il avait besoin d'être un peu assisté, Paul Biya était très insistant auprès de lui pour qu'il abandonne la présidence du parti et lui remette à lui Paul Biya. Et Amadou Ahidjo, le président Ahidjo, lui avait dit, écoutez, vous avez le pouvoir, je vous ai donné la présidence, je vous ai formé pour ça, moi je garde la présidence du parti car j'ai l'intention de continuer à représenter une unité de la nation et de pouvoir être utile à mon pays. Et alors là, les choses se sont passées d'une manière absolument effrayante. Monsieur Paul Biya a arrêté dans la province d'où était issu Amadou Ahidjo, au nord. Non, oui. Il a arrêté son chauffeur, alors que lui vivait en France, Amadou Ahidjo, à ce moment-là. Il a arrêté
son personnel, à isoler sa famille, à confisquer ou à essayer de mettre la main sur ses biens immobiliers, en arguant de ce que le président Hidjo aurait essayé de monter un coup d'État contre lui. D'accord, le fameux coup d'État du 6 avril 1984. Mais qui n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Car, moi je me rappellerai toujours, le président Hidjo, qui était un homme impressionnant par ses qualités profondes, qui tournait en rond dans son appartement, en étant scandalisé par l'accusation complètement inventée qui était portée contre lui, qui n'avait pas de sens. Vous voulez par là dire aux Camerounais, aux Africains, et que M. Hidjo n'avait rien à voir avec le coup d'État. Mais il n'y a eu aucun coup d'État fomenté par M. Hidjo. C'est une invention. En tout cas, c'est toujours ce qu'il m'a dit. Et je ne vois pas très bien d'ailleurs comment il aurait fomenté un coup d'État depuis Neuilly ou depuis Mont-Sartou pour essayer de faire partir du pouvoir un homme que justement il avait formé et mis en place pour assurer le destin du Cameroun. Bon. Il y a des voix. J'ai reçu quelqu'un qui a 77 ans. Momo Le Bagan, tu veux le retrouver sur JMTV+, qui a un autre son de clochard. Bon. Il m'a cité Pierre Bercy, avec qui il a préparé le départ d'Aïdjo du pouvoir. Bon, ça, c'est autre chose. Des versions très complémentaires. Mais en tout cas, un procès est programmé contre le président Hidjo pour être jugé. Et le président Hidjo me dit « Maître, je vous demande d'aller me défendre, d'être mon avocat. » Donc je fais les démarches que je dois faire en vertu de la Convention de réciprocité franco-camerounaise, c'est-à-dire que je demande l'autorisation de me rendre au Cameroun pour assister le président Hidjo. Pour votre client. Voilà. Et on ne me donne pas l'autorisation. Les autorités camerounaises. Oui. Vous refusez l'autorisation. Oui. Donc le visa. Oui. Le président Hidjo me dit, mais comment ça, maître, c'est possible. Il y a une convention de réciprocité franco-camerounaise qui dit que les avocats français peuvent plaider au Cameroun et les avocats camerounais peuvent plaider en France. Monsieur le Président, malheureusement, la convention prévoit qu'il faut être autorisé par les autorités du pays dans lequel on veut se rendre pour plaider. Il me dit, mais pas du tout. Et je dis, monsieur le Président, regardez, c'est dans la convention. Et c'est une convention qui est signée Amadou Hidjo. Il avait oublié qu'il avait signé ce document-là. Oui, mais c'était un grand homme, mais il me dit à ce moment-là, je n'avais pas de secret, il me dit, je me rappelle, à l'époque j'avais des opposants politiques, et je ne voulais pas voir Jacques Vergès débarquer tous les quatre matins. Ah, c'est donc pour son intérêt personnel que M. Hidjo avait paraffé ce document-là. Cela ne changeait rien. C'est la rosée arrosée. Voilà. Et... Alors, chers téléspectateurs, j'en souris avec vous, et ce n'est pas du tout pour critiquer le président Hidjo, qui était quand même un grand homme, et il m'a expliqué d'ailleurs, mais vous savez, c'est très simple, j'avais la responsabilité de faire un pays uni à partir d'une zone anglaise, anglophone, d'une zone germanophone, d'une zone française. J'étais obligé d'avoir un peu d'autorité, et j'avais évidemment des opposants, ce qui est normal. Donc, il me revient à l'époque... une certaine tribu qui était considérée comme opposante devait avoir obtenu un laissez-passer pour circuler à l'intérieur du Cameroun. Donc, M. Hidjo, voilà, c'est un peu la rosée. Bon. Ça n'enlève rien au fait qu'il a été un grand chef d'État quand même et que j'étais très, très honoré de pouvoir essayer de l'assister. Alors à l'époque, j'avais fait une lettre de protestation auprès du président Biya. Et le mot m'était revenu selon lequel j'aurais été, c'est lui qui l'aurait dit à son entourage, que j'aurais prévu d'aller là-bas pour l'assassiner. Ce qui est évidemment, moi personnellement, ce qui est un parcours assez habituel pour un futur bâtonnier de Paris, évidemment. Voilà, les histoires, vous savez, l'histoire est faite de faits, et l'histoire est faite de rumeurs, elle est faite de choses exactes. Le café, vous ne pas m'assassiner, rassurez-moi. Je crois qu'il est absolument pur, il vient de chez Nespresso. Si je meurs, vous venez voir, mais je vais vous aider, je voilà. Alors, on rit de choses qui sont graves et qui sont importantes, mais ce qui aujourd'hui me paraît tout à fait dramatique, d'abord c'est ce maintien dans des conditions qui ne sont pas nécessairement démocratiques d'un président au pouvoir après 33 ans.
Non, pas 33, vous en avez... 37. 37. 37. Hein? Oui, je le rajeunissais. 6 novembre 1982. Évidemment, je ne suis pas concerné, et ça ne me regarde pas, par ce qui concerne en fait la vie d'un État indépendant, et je ne suis pas... Est-ce que ça vous choque, ouais, écoutez, cette organisation au pouvoir de... C'est un phénomène qui est assez classique, y compris en France. Quand vous savez qu'il y a des maires de petites villes ou de villes moyennes qui sont maires pendant 30 ans, qu'il y a des mandats électifs qui durent pendant des dizaines d'années, on n'a pas non plus trop de leçons à donner, même si nos chefs d'État, eux, ne peuvent rester que 2 fois 5 ans au pouvoir. Comment la France peut-elle donner des leçons, sachant que c'est la France qui adoube ces chefs d'État d'Afrique francophone noire pour leurs intérêts? Comment pourrait-on... Je vous laisse la responsabilité de votre propos. Oui, je le dis. Si quelqu'un veut m'attaquer en justice, je vous demanderai d'aller me défendre. Ah, je le ferai volontiers. Non, ce qui est effectivement extrêmement regrettable, c'est une forme de passivité de la France à l'égard de ses anciennes colonies, mais qui sont devenues des États frères et avec qui nous avons des relations d'autant plus importantes que ce sont des États et des nations qui ont conquis une forme d'unité par la langue unique, le français, dont on sait à quel point cette langue est menacée dans le monde. Et donc, on devrait avoir un peu plus de considération pour les peuples et beaucoup moins pour les dirigeants. Avez-vous connaissance de ces accords paraffés par votre ancien client Amadou Ahidjo le 26 décembre 1959, des accords passés avec la France, signés ce jour-là? En vue de l'indépendance? Oui, avez-vous connaissance? Non, je ne les ai pas vus. Non, alors, dans ces accords-là, le sous-sol camerounais appartiendrait à la France. Tout ce qui s'y trouve appartiendrait à la France, seulement si la France ne peut pas exploiter une richesse trouvée, que le Cameroun aurait le droit de s'acheter un autre État. C'est pour qu'on est dans une indépendance. Ce que vous me dites est évidemment très préoccupant. Est-ce qu'il est dit que le sous-sol appartient à la France ou que le sous-sol est allé en concession à la France pour une période un peu longue? 100 ans. Voilà, donc c'est une concession. Alors, bon, j'aimerais bien que le sous-sol français appartienne à l'Allemagne et qu'on en reparle. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas... c'est tout à fait critiquable. Et je suis complètement de votre avis. La façon dont la France tolère que des peuples d'Afrique soient aujourd'hui tyrannisés par des chefs d'État tout à fait indignes, et je suis prêt à assumer toutes les procédures qu'ils voudront me faire, parce qu'en échange... telle société française jouit de la concession sur le port de Lomé. Ah, que telle autre société française... Vous parlez de Bolloré, mon ancien patron, on peut le citer, il est cité dans le livre que je viens de vous vendre. Que telle ou telle ressource, comme par exemple l'uranium au Niger. Arriva. Bien sûr. Vous parlez du Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je le sais, je le connais, j'ai eu l'occasion d'y plaider pour un ancien Premier ministre qui manifestement était un rival dangereux pour l'actuel président. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie d'avocat. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons une responsabilité très grande dans le malheur des peuples africains, et nous avons également une responsabilité très grande dans l'absence de culture développée pour ces peuples grâce à l'enseignement, puisqu'on a arrêté la coopération. J'ai été coopérant au Maroc pendant 2 ans, de 71 à 73, ayant fait des études de lettres en même temps que les études de droit. J'ai enseigné 3 ans en France, j'avais une maîtrise de lettres classiques, et j'ai fait mon service national dans la coopération comme professeur de français à Oujda au Maroc. Le Maroc a pu se passer très facilement de la coopération française au bout de plusieurs années, et les professeurs marocains aujourd'hui n'ont rien à envier aux professeurs français. En revanche, dans les campagnes très isolées, très pauvres du pays d'Afrique noire, il n'est pas normal que nous n'ayons pas continué à remplir ce qui est un devoir, c'est-à-dire permettre à des enfants d'apprendre à écrire, à lire, à parler le français, à compter. Or, aujourd'hui, par exemple, au Mali, le français est enseigné par des ressortissants turcs. Nous avons abandonné la coopération. Et j'en fais la critique très acerbe à l'égard de nos dirigeants qui n'ont pas repris
le flambeau de ce qui a été une fierté et en même temps quelque chose de très important pour les jeunes Français qui partaient comme coopérants et qui apprenaient ce qu'était le tiers-monde, qui apprenaient à travers une fraternité qui s'établissait entre des gens pauvres mais extrêmement dignes et qui pratiquaient entre eux la fraternité, et notre pays qui est un peu un pays, même s'il est très prospère apparemment, un peu décadent au plan des valeurs fondamentales humanistes qui perdent un peu de vue ce qu'était la fraternité républicaine. Voilà. Maître, revenons sur Paul Biya. J'ai, dans mon enquête avant de venir à vous, entendu dire que vous le connaissiez avant qu'il ne devienne président. Ah non, ça c'est faux. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Jamais. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Le président Aïdjo, vous n'avez pas pu aller au Cameroun le défendre. Vous étiez resté en contact avec lui jusqu'à son décès le 30 novembre 1989. Je l'ai vu à l'hôpital. Il a vécu encore après cet événement-là, il a vécu au moins 6 années. Mais très meurtri, très blessé moralement par l'ingratitude en réalité de son successeur et l'injustice qu'il avait provoqué à son égard, puisque je vous rappelle qu'il a été condamné à mort par contumace, mais par des juges nécessairement indépendants. Là. Très indépendants. Très indépendants. C'était pas un tribunal militaire à l'époque déjà? Ah, je ne sais pas, mais enfin, je n'ai pas beaucoup de considération pour ces simulacres de juges. Mais ce n'est pas les seuls. J'ai eu l'occasion de m'intéresser comme avocat au frère du président du Togo. Du Togo, oui. Bacha Niassimbe. Moi, j'ai connu le père, qui était un homme terrible et redoutable, et qui n'était pas non plus un homme d'une grande sensibilité et d'un grand humanisme. Mais le président actuel Faure n'a pas hésité à faire incarcérer depuis 8 ans son frère Bacha, parce que son frère Bacha avait osé dire que lui-même était légitime à se présenter à l'élection présidentielle. Depuis 8 ans, Bacha est toujours en prison. Après un jugement qui est un simulacre de jugement, qui fait que j'ai écrit au juge de la Cour suprême, je n'étais pas allé au procès, et c'était le bâtonnier Stasi, un de mes prédécesseurs, qui était allé, parce que moi j'étais pris par autre chose, et j'avais d'ailleurs eu un dossier une semaine avant, un dossier, une citation, mais pas le dossier pénal, évidemment, aucune copie, aucun renvoi à plus d'une semaine. Et c'est un procès qui était en fait une mascarade judiciaire. Je m'en doute un peu. Au cours de laquelle le tribunal spécial, cette Cour suprême, n'avait eu aucun scrupule à condamner à des peines extrêmement graves des hommes qui avaient été indiqués qu'ils avaient été torturés. Les juges obéissants au général Katanga, beau-frère du président, qui leur avait demandé de condamner. Les juges s'étaient inclinés. Et je leur avais dit dans une lettre ouverte que j'ai fait circuler un peu partout où j'ai pu en Afrique, que je n'avais naturellement aucun respect à leur présenter, qu'un jour l'histoire juge l'histoire, que l'histoire juge les juges, et que ce jour-là j'espérais qu'ils puissent recourir à des avocats du talent et de la qualité de ceux dont ils avaient méprisé les plaidoiries. Alors, je n'ai pas de leçon à donner, moi, personnellement, parce que je peux être aussi très dur de temps en temps à l'égard de juges français qui ne sont pas toujours aussi rigoureux qu'on pourrait le souhaiter. Enfin, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et je prends encore comme exemple le sort de Mme Lydiane Yaneyoum, que j'ai reçu sur JMTV Plus hier, qui a été dans une situation épouvantable pendant 7 ans. 7 ans, oui, incarcéré. Incarcéré, Nkogendi, dans des conditions abominables. Ma consoeur Caroline Wasserman, qui est allée, elle, là-bas, au Cameroun. Moi, je suis interdit de Cameroun, je n'ai pas pu y aller. Ah oui, tant que le président est le même. J'espère que ce n'est pas contagieux. Parce que... Non, mais peut-être qu'un jour, un autre président acceptera que je puisse me rendre au Cameroun. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas pu y aller. Donc, elle est allée, Caroline Wasserman,
voir, ainsi que mon ami Zimré, qui était ambassadeur de France récemment, mais qui était surtout à l'époque ministre des droits de l'homme en France. Et la prison est une abomination. Les cadavres dans la cour, des gens qui... Elle, à un moment, Lydienne a été emprisonnée avec 20 autres femmes dans un espace extrêmement exigu. Oui, je l'ai vu en photo, oui. Bon, enfin, épouvantable. Et donc, tout ça est totalement contraire à ce qu'on peut estimer conforme à une certaine dignité accordée à la personne humaine. Surtout qu'en plus, son procès ne vaut rien, et les reproches faits ne valaient rien, puisqu'elle était l'avocate, comme vous le savez, de l'État camerounais, absolument, contre une banque, dont elle avait obtenu la condamnation... Je ne veux pas citer, mais non. Qui est une banque française. Oui, bien sûr, filiale camerounaise, mais banque française, vous avez raison, la mère est française. Tu l'as bien dit, banque française. La filiale, ça ne veut rien dire, car les décisions sont prises dans la maison mère. La mère considère voilà. Toujours que la fille est mineure. Donc, on va dire nous banque d'accord. Française. Nous sommes d'accord. Et elle avait gagné le procès contre cette banque, qui a décidé condamnée à payer des milliards. Non. La banque a décidé. Alors qu'elle exécutait, qu'elle tentait d'exécuter la décision qu'elle avait obtenue, sans qu'on le lui dise, l'État négociait avec la banque. Sûrement de manière totalement désintéressée. L'État. Si vous voyez ce que je veux dire. On va dire certains. Bon, voilà. Et du coup, comme il ne fallait pas qu'elle parle, eh bien, elle est allée en prison pendant 7 ans. Et je dois rendre hommage au président Hollande, que je l'ai. À qui vous aviez écrit sur sollicité, oui, et puis je connais bien, et qui est intervenu auprès. Il n'est pas le seul, des parlementaires aussi sont intervenus. Et je pense que ça n'a pas été indifférent au fait qu'elle soit finalement libérée. Mais il y a aussi le malheureux qui a fait 17 ans de prison. Oui, Michel Thierry à Tangana, ça me poursuit. Il y a une semaine, j'étais à l'Assemblée nationale, 2 députés de la majorité présidentielle débattaient de son cas. Vous pouvez retrouver ce sujet sur JNTV+, intitulé « Arrestation arbitraire, le Cameroun et la France encore interpellés ». Il n'a même pas été jugé. Du tout. 17 ans. Oui. Et je l'ai vu un jour, il était venu me rendre visite, puisqu'on s'était intéressé aussi à son cas, accompagné d'un grand garçon, plus grand que lui. La dernière fois qu'il l'avait vu, ce grand garçon plus grand que lui, c'était un petit bonhomme de 2 ans. C'était son fils. Oh là. Je n'ai pas commenté cette chose terrible. Donc, y a deux réflexions, si vous voulez, qui me préoccupent. La première, vous l'avez souligné, c'est la responsabilité dans l'indifférence que la France porte à l'égard des populations. Tout à fait. Qui sont nos frères en humanité, nos frères et sœurs en humanité, pour les intérêts économiques qui prévalent sur tout. Ça, c'est la première chose que je trouve inacceptable. La deuxième, c'est que tout de même, il pourrait y avoir des hommes et des femmes qui n'acceptent pas, dans des fonctions de juge, de se plier aux ordres d'un tyran ou de faire comme si ils étaient dans leurs fonctions les plus éminentes quand ils servent la tyrannie et l'injustice. Ça, je n'arrive pas. Sont-ils conscients de servir la tyrannie déjà ? Ça, je ne crois pas qu'ils puissent être inconscients de ce qu'ils font. Mais vous savez, on a aussi des exemples comme ça en France de temps en temps. Dans la dépendance des magistrats du parquet à l'égard du pouvoir exécutif, il y a quelques exemples assez étonnants qui sont sûrement pas comparables. Vous parlez des kilomètres. Sujet un petit peu plus justement les noms. Vous parlez des Écoutez, un peu. Je vous dirai ça en dehors parce que nous sommes ici pour parler du Cameroun. Très bien. Dernière question sur Amadou Ahidjo. Vous avez-il déjà confié, regretté d'avoir choisi Paul Biya comme successeur ? Alors, je ne me rappelle pas qu'il ait prononcé des mots de cette nature. Il avait de la tenue, Ahidjo. Qu'il était en colère, ça oui.
qu'ils trouvent scandaleux ce qu'on disait, oui. Mais je ne me rappelle pas qu'il ait dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Ce qu'il regrettait, c'est que celui qu'il avait créé et installé soit devenu ce qu'il était devenu. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas tout à fait. Il y a une nuance. Il y a une nuance, oui. Ouais. Cela étant, je ne veux pas non plus vous raconter trop de choses sur ce que j'ai pu échanger avec lui, puisque le secret professionnel fait que je ne peux dire que ce que lui-même aurait dit. Vous m'aviez confié au début ne pas avoir de langue de bois. Oui, mais il y a quelque chose qui fait que la langue devient de ciment, c'est le respect du secret professionnel. Du ciment, nous avons du mal. Alors, chers téléspectateurs, nous allons maintenant aborder avec Maître Bonzel l'actualité camerouno-africaine, en espérant que vous êtes au parfum de ce qui se passe au Cameroun depuis quelques mois. Bien sûr. Alors, ces élections présidentielles... Il y a plusieurs choses qui sont très préoccupantes. D'abord, les tentatives de séparation de la partie anglophone par rapport au reste du Cameroun. Il y a ensuite l'apparition du terrorisme depuis plusieurs années dans le nord du Cameroun avec des violences terribles contre lesquelles apparemment il est très difficile de se prémunir et de lutter. Et puis il y a enfin la persécution des avocats, des hommes politiques en ce moment qui a pris une ampleur terrible et qui fait que nous sommes un groupe d'avocats français ayant rejoint nos confrères camerounais, que je salue d'ailleurs, et parmi eux M. Black Yondo Mengele, l'ancien bâtonnier, pour qui j'ai la plus grande estime et la plus grande admiration pour son talent, sa compétence et son courage. C'est réciproque qu'il nous l'a dit hier. Ah bah écoutez, je suis très touché, mais c'est un grand homme. Et vous savez, ici le courage, un avocat parle, dit des choses, risque pas grand-chose. Une procédure de diffamation peut-être, avec un pincement d'oreille, 5 000 euros d'amende, avec sursis. Alors que lorsque on est dans des tyrannies, comme celle du Cameroun, l'avocat qui se dresse contre le pouvoir risque sa liberté, peut-être même sa vie. Et ça, c'est autre chose. Nous n'avons pas de leçons à donner, nous, on en a à recevoir. Alors, au Cameroun aujourd'hui, votre confrère Maurice Kanto, qui revendique la victoire sortie des urnes du 7 octobre 2018, est incarcéré depuis le 28 janvier 2019. Des voix s'élèvent ça et là pour demander sa libération et le pouvoir en place n'entend toute personne. Je crains que le bruit n'aille pas jusqu'à la résidence du président Biya, qui, comme vous le savez, loge à l'Intercontinental à Genève, beaucoup plus qu'il ne... Je ne prends pas sa défense, il n'y est plus depuis au moins 7 mois, voire 8. Il est revenu au Cameroun. Ah bon, il a réappris un peu son pays, la langue, les coutumes. Bon, depuis ces élections, officiellement le président Biya n'est pas sorti du Cameroun. Et Maurice Kanto est incarcéré. L'Union européenne vient d'ailleurs de prendre une résolution demandant sa libération. Des grosses associations, d'ailleurs l'Ordre des avocats de Paris, est intervenu dans cette affaire et toujours pas entendu. Et nous allons être à Bruxelles bientôt. Il y a une association déjà un peu ancienne qui s'appelle l'IDHAE, l'Institut de défense des droits de l'homme de l'avocat européen, mais en fait international. Et nous avons accordé notre prix l'année dernière à une avocate iranienne qui est en prison et qui est menacée de 180 coups de fouet. Et nous allons à Bruxelles pour délibérer cette fin de mois de mai. Et bien sûr, on va parler de M. Kanto, notre confrère, qui mérite qu'on s'attache à tout faire pour rendre publique l'injustice qui lui est faite et tenter d'obtenir ses libérations. C'est curieux, Maître Bonzel. La France, qui est premier partenaire du Cameroun officiellement, et officieusement, qui fait et défait les rois, on l'entend pas trop sur le dossier Maurice Kanto. Interpellons les officiels français, les hommes politiques. Demandons à M. Le Drian, qui est un homme très honorable, de s'impliquer davantage. Que j'ai du mal à rencontrer. Si vous pouvez m'aider à le rencontrer, je lui poserai. Malheureusement, je ne le connais pas, mais je pense qu'il faut intervenir, effectivement,
nous autres, avocats français, avocats camerounais, avocats de la CIB, la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, qui a été fondée il y a maintenant 32 ans, 33 ans, et pour laquelle, au temps du bâtonnier Stasi, j'avais organisé avec mon ami Jovi Galli, avocat au Togo, et qui est un homme remarquable, j'avais organisé. Il n'a pas été bâtonnier, il a été ministre des droits de l'homme. L'IADEMA ne s'est pas enrichi du tout. Je connais bien sa famille, ses enfants, je les ai vus naître, ce sont des amis, c'est ma famille togolaise. Il m'appelle tonton, ce qui veut dire à quel point nous sommes liés. Eh bien, nous avons ensemble fondé la première conférence internationale de cette association internationale d'avocats francophones. Ça va du Canada au Luxembourg, la Suisse, tous les pays de l'Afrique noire, le Maghreb francophone. Et ça s'était passé à Lomé. Et nous avions décidé de créer une sorte de convention internationale des avocats du monde, à qui j'ai donné vie ensuite en 2008 quand j'étais bâtonnier. Car nous sommes en réalité, comme à Rome, les tribuns de la plèbe. Nous sommes les tribuns de la plèbe universelle. Nous sommes les infatigables pèlerins du chaos universel. Et nous sommes là par le droit. Est-ce que vous faites écouter? Est-ce que vous faites comprendre? J'espère que des oreilles nous entendent, mais certainement pas celles de ceux qui ont le pouvoir. Alors, est-ce qu'il faut appeler à une insurrection des victimes de l'oppression et de la liberté? Moi, j'ai toujours un peu peur que les révolutions tournent à des mains de sang. Mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est que ne cessent d'être sourdes les oreilles de ceux qui ont une influence sur d'autres, qui, comme eux, ont le pouvoir dans leur propre pays. Et que l'on puisse avoir, au lieu de ces réunions internationales entre gens qui ont le pouvoir, ces réunions sont importantes, elles peuvent aider au progrès des peuples, mais qu'il y ait aussi des interventions très fortes pour dire « ça suffit ». Des interventions fortes, que risquent les autorités camerounaises en faisant la sourde oreille à la demande de l'Union européenne via cette résolution? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas assez informé de ce que fait l'Union européenne au plan budgétaire, par exemple, pour le Cameroun. Il y a eu une époque où la France, ancienne puissance coloniale, abondait les budgets des anciennes colonies. Tutélaire, je dirais, hein, coloniale. Ben, je ne sais pas, c'est pas un mot favorable dans ma bouche, mais les colonies, ça existait. C'est comme ça que ça s'appelait. Depuis l'indépendance, c'était tutélaire. Mais, par exemple, je pense à 1983, lorsque M. Guy Pen, pas Le Pen, rien à voir, Guy Pen était chargé des affaires africaines à l'Élysée. Il se dit que c'est le mentor de M. Biya, M. Guy Pen. Je ne suis pas sûr. C'est ce que j'ai trouvé en faisant des avant, recherches. Mais Guy Pen, m'avait appris à l'époque que le budget qui payait en Centrafrique les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, etc., c'était la France qui l'assurait. Ce qui n'est pas choquant, ça ne me choque pas. Bizarre. Mais ce n'est pas choquant. Pas d'autant, qu'il y a pas de, y a, d'autant qu'il n'y a pas de ressources premières en Centrafrique, malheureusement pour le pays, qui justifierait qu'on rende de l'argent. Et le diamant que l'autre allait récupérer la centaine d'eau, c'était de l'eau. Vous savez que vous parlez à Charrière Bournazel, qui fut l'avocat de Roger Delpé au moment de l'affaire des diamants de Giscard. Alors, je... de ressources, c'est ces diamants. Non, mais c'était... Est-ce que c'était aussi important que ça? Je ne suis pas sûr. Non. Mais en tout cas, ce que je veux dire simplement, pour c'est extrêmement sérieux et grave, c'est que la France, dans les années après 1960, a, d'une certaine manière, aidé au développement, ou a pensé le faire, d'anciennes colonies d'Afrique noire en abondant les budgets. Mais ça a cessé d'être la France puisque c'est passé au stade européen. Et je ne sais pas aujourd'hui ce que l'Europe unie, dépense pour les pays africains. Particulièrement le Cameroun. Et notamment le Cameroun, je ne sais pas. Mais c'est une question intéressante à poser. Parce que effectivement, si, et ça n'a rien d'humiliant, un pays dont
l'histoire est récente comme pays indépendant, puisque ça date de 60. Et 59 ans, c'est pas grand-chose. J'en sais quelque chose à mon âge. Vous en avez combien ? En 73, au mois de juin. Ah, oui, oui, oui. Ça bien fait... conservé. Vous êtes gentil. C'est le travail. Et la passion. Mais je reviens à ce que je commençais à dire. À partir du moment où ces pays deviennent indépendants, ayant une histoire récente, ayant besoin de progresser rapidement, il était légitime que l'ancienne puissance coloniale donne de l'argent. Il était naturellement légitime qu'elle ne le récupère pas complètement pour elle, par les ressources premières, mais qu'elle aide à former sur place ceux qui pourraient exploiter les ressources minières et les ressources premières qui sont la richesse des pays et pas de l'ancienne puissance coloniale. Alors c'est tout clair, ça clair, mérite clair. Beaucoup, ben oui, tout ça mérite beaucoup de réflexion. Et j'en reviens exactement à la question que vous posiez. Quel est le pouvoir de l'Union européenne sur le Cameroun, par exemple? Si l'Union européenne subventionne le Cameroun, c'est de dire on arrête. Seulement, le problème, c'est que ce sont les populations qui souffrent. Alors, on arrête de donner aux dirigeants. Si par hasard, il se trouve qu'on donne aux dirigeants. Ou on arrête de fermer les yeux sur les biens mal acquis. Là, ça devient autre chose. Ce serpent de mer, les biens mal acquis. Là. Mais quand ça nous arrange en France, on touche les biens mal acquis. Quand ça nous arrange, on en parle ou pas. Hein, c'est toujours ça, non? Eh oui. Donc... sans désespérer. Je pense que il faut convaincre notre pays, la France. Vous êtes français comme moi. Je suis français, Bamiléki. Pas franco-camerounais. Moi, je suis français, limousin bourbonnais. Ah, j'adore la viande du limousin. Et donc oui. Nous sommes de provinces différentes. Nous sommes français. Donc, il faut quand même... chacun, là où il est, tenter de faire revenir la France à une politique de coopération, une vraie politique de coopération, et non pas une politique de prédation. Or, le chemin est encore long à parcourir, mais il ne faut pas désespérer. Et je vais vous faire une réflexion très simple. Regardez le nombre de jeunes gens et de jeunes femmes en France qui, sortant de l'école, de l'université, ont du mal à trouver un emploi. La coopération, on les enverrait, avec leur accord, faire profiter de leur expérience simplement sur le plan de la maîtrise, de l'écriture, de la langue, de l'histoire, dans des pays d'Afrique, où ils seraient payés ce qu'on est payé au RSA ou au SMIG. Mais quel niveau de vie ils auraient en Afrique, et quelle expérience ils acquerraient sur le reste du monde, au lieu de rester clos dans un univers franco-français qui semble un petit peu tourner en rond sur lui-même. Vous savez pourquoi on ne le fait pas, maître? Ben non, j'aimerais savoir. Ils reviendraient avec des revendications en disant mais ça ne va pas là-bas, voilà, il y a ci, il y a ça. Formidable. Ça fait peur. Ben non, mais il ne faut pas avoir peur. Regardez au cas des journalistes originaires d'Afrique noire francophone. Est-ce que vous en voyez sur les chaînes de télévision françaises? Vous en connaissez un seul originaire d'Afrique noire francophone? Ah, vous me posez une colle. Il n'y en a pas. Il y avait mon confrère et double compatriote Patrice Fanjo, qui est depuis parti de TF1, de France Télévisions. Il n'y a plus personne qu'on voit au devant des télévisions française, hein, d'origine noire africaine. Hein. Il y a des Antillais, oui, mais africains. Les Antillais, il y a Haïtien qui est... Je dis bien d'origine d'Afrique. Ils en savent un peu trop sur la France. Ça fait qu'il ne faut pas ces gens-là sur les grosses chaînes de télévision françaises. Voilà pourquoi j'ai créé JNTV+. Vous avez bien fait. Oui, ça continuera comme ça. Il faut continuer. Il faut donc continuer sur votre chaîne, en espérant qu'elle soit le plus écoutée possible, à dire ce qu'on est en train de dire, que nos jeunes aillent faire leur expérience d'un monde différent, et d'un monde nouveau en plus, par rapport à notre vieille Europe, pour à la fois voir des gens qui ont besoin de cette fraternité républicaine et de cette entraide humaniste. Alors il y a des gens qui le font déjà par les associations
non gouvernementales agréées ou non auprès de l'ONU, tous les médecins sans frontières, médecins du monde, etc., etc. Tout ça, c'est formidable. C'est pas assez. Et il faut que l'État le prenne en main. Et si j'avais quelque chose à dire à nos politiques, et si eux, ils avaient envie de m'entendre, je leur dirais, rétablissez la coopération. Rétablissez la coopération au stade de l'enseignement. Et arrêtez la prédation, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes sur JM à TV+. Alors, dans ce livre que je viens de vendre, ils ont vendu mon frère, je dis à la France, et je dis aux hommes politiques français, je l'avais dit à Dominique Strauss-Kahn, à Michel Roussin, je le dis à Bolloré, il a évité la discussion avec moi, c'est 14 ans, j'attends toujours sa promesse, je leur dis qu'il est temps que la France, dans son intérêt, prenne les devants et propose de nouveaux accords à ses anciennes colonies, car les accords signés avant les indépendances étaient signés entre la France et la France. Bien sûr. Et non entre la France et les pays africains. Dans la mesure où c'est nous qui choisissions, lorsque je dis nous, c'est nous, la France, qui choisissions qui va diriger le pays. Les peuples n'avaient élu personne. Donc vous, qui êtes homme de loi, de droit, vous pouvez remettre en question ces accords-là. Je n'ai malheureusement aucun pouvoir pour le faire. Je peux le dire, je peux éventuellement l'écrire, faire un éditorial ici, dans le Huffington Post ou ailleurs dans un journal, mais je n'ai pas de... Ma voix, bien que j'ai été bâtonnier de Paris, bien que je sois avocat, ma voix ne porte pas comme celle des hommes politiques. Et si ces nations-là étaient en justice, vous pourriez... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est une des voies possibles, dans la mesure où, encore une fois, ça n'est pas parfait, mais tout de même, la justice française est en mesure et en capacité et en objectivité suffisante pour entendre des réclamations justes et y donner une suite. Nous avons de ce point de vue-là cette chance. La justice française est lente, la justice française est parfois un peu sclérosée, mais elle n'est pas corrompue. S'il y a une fois tous les 20 ans, et encore, un scandale d'un magistrat sur des dizaines de milliers qui a eu un comportement inadmissible, ça se sait tout de suite, c'est un scandale, il est radié, révoqué. Nous avons cette chance au moins, qui est naturelle à mes yeux, mais c'est moins évident dans d'autres pays, que la justice française n'est pas corrompue. Alors, on va lancer un défi aux dirigeants des pays d'Afrique noire francophone, donc colonisés par la France, qui avaient donc ratifié ces accords-là. Vous avez là l'opportunité d'ester en justice pour dire non à ces accords qui, pour moi, je prends la responsabilité de ce que je dis, avaient été signés entre la France et la France, et non entre la France et les pays africains. Car aucun Africain n'avait, de manière démocratique, élu qui que ce soit à cette époque-là. Voilà. Tout à fait. D'autant que les premiers chefs d'État des anciennes colonies étaient d'anciens parlementaires français. Ben oui, Oufo Boni. Voilà. César Senghor. Ben oui. Et quel grand homme. Oui, grand homme, grand poète. Oui, oui, mais grand chef d'État aussi. Ah, il est parti sans fracas. Ben oui. Tout comme Abdou Diouf. Mais grand homme aussi. Voilà. Je lui avais dit à Abdou Diouf, non seulement vous êtes haut, mais vous êtes grand. Maître, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et j'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas ce que vous... Pour le moment, je me suis livré très simplement et spontanément à vous, et à l'occasion, si quelque chose d'autre vous paraît mérité qu'on en parle, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Alors, je demande à JMTV+ de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.